Bonjour chers élèves. Bienvenue à l'école à domicile. Je suis monsieur Landou Omer Désiré, professeur de SVT 3e. Nous allons étudier la leçon sur le sang. À la fin, de cette étude, chacun de vous doit être capable de décrire l'appareil circulatoire et la circulation. Nous révisons, définir la circulation sanguine. Consigne. Connaître la définition de la circulation sanguine. Réponse à la question. La circulation sanguine est la propagation du sang dans les différents organes du, du corps humain. Suivant les explications. Les ganglions lymphatiques sont des organes contenant de nombreux leucocytes qui protègent l'organisme contre les agressions ou les attaques microbiennes. C'est ainsi qu'en cas d'infection d'une plaie, on observe un gonflement des ganglions de la région correspondante. Exemple, si c'est au niveau du pied, la plaie est au niveau du pied, la plaie est infectée, il y a du pu. Donc on observe un gonflement au niveau de la zone comprise entre la, la cuisse et l'abdomen. Ainsi, on distingue les ganglions des N, les ganglions des aisselles et les ganglions du cou. On s'exerce. Question. Donne la composition du sang. Deux. Cite quatre maladies du sang. Consigne. Connaître la composition et les maladies du sang. Réponse aux questions. Le sang est composé des globules rouges ou hématies, des globules blancs ou leucocytes, des plaquettes sanguines ou globulaires et du plasma. Parmi les maladies, nous avions qui affectent le sang, l'anémie, la polyglobulie, L'hémophilie, la leucémie ou cancer du sang. Le sang est un liquide rouge, trouble, visqueux, d'odeur fade, de saveur salée, circulant dans les vaisseaux sanguins. Il constitue le principal véhicule des substances qui voyagent dans l'organisme. Le frottis sanguin, à ne pas confondre avec la goutte épaisse. Le frottis sanguin est un étalement très mince d'une goutte de sang sur une lamelle de verre en vue d'examiner au microscope. Les constitutions du sang. Le sang est composé d'un liquide incolore appelé plasma. Il représente 55% contenant en suspension de nombreuses cellules sanguines. Alors, quelles sont les cellules sanguines Nous avions les globules rouges ou hémacytes, les globules blancs, ou leucocytes, et les plaquettes sanguines ou globulaires. Ce sang frais-là qui est recueilli au moment du frottis sanguin, eh bien, il contient quoi Eh bien, il est formé du plasma et des cellules sanguines dont nous avions fait mention. Le plasma, c'est quoi c Est un liquide jaune clair dans lequel se trouvent les cellules sanguines, c'est-à-dire les globules rouges et les globules blancs, et autres substances dissoutes. Quel est son rôle Le plasma sert à transporter les cellules sanguines et les substances nutritives et les déchets. Les globules blancs ou leucocytes, ce sont des cellules avec noyaux. Il existe deux types de globules blancs. Nous avions les mononucléaires. Mono signifie un. Et nucléaire signifie noyau. Exemple, les monocytes et les lymphocytes. Nous avions aussi les polynucléaires. Les monocytes, ce sont des grosses cellules à noyau en forme de graines de haricots. Les lymphocytes sont des cellules à noyau volumineux arrondi et les polynucléaires, ce sont des cellules à noyaux polylobés. Donc il a plusieurs lobes découpés en lobes. Quel est le rôle des globules blancs dans l'organisme Les globules blancs assurent la défense de l'organisme par le phénomène de la phagocytose et par la sécrétion des antitoxines. les globules rouges ou émaciés sont des cellules sanguines dépourvues de noyaux, c'est-à-dire ils n'ont pas de noyau. Quel est leur rôle Bien. Le rôle des globules rouges c'est de transporter les gaz respiratoires le dioxyde de carbone et le dioxygène, grâce à l'hémoglobine qu'elles contiennent. Les plaquettes sanguines ou globulins, ce sont des cellules sanguines de, sanguine de petite taille, mais sans noyau. Ces cellules-là jouent un rôle dans la coagulation du sang et arrêtent. L'hémorragie, c'est-à-dire la perte de sang en cas de blessure. La coagulation du sang. C'est la transformation du sang liquide en sang solide à l'air libre en dehors des vaisseaux sanguins sous l'influence d'une diastase appelée la prothrombine. C'est quoi le sang coagulé? Le sang coagulé, c'est le sang qui porte du sérum, de la fibrine et des cellules, plus le caillot. Chers élèves, notre leçon portant sur l'appareil circulatoire et la circulation sanguine est terminée. Au revoir et à bientôt.